Guten Tag. Bien, bonjour. Je pense qu'on peut commencer. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue au nom de SwissAid et du Centre du développement et de l'environnement de l'Université de Berne à ce webinaire. Là, j'aimerais également remercier les donateurs, la Fondation Mercator Suisse et Sous-Fossec, l'alliance de nos partenaires. Notre alimentation est en danger. L'agroécologie pour contrer le changement climatique et les pandémies. Évidemment, ce thème est d'une grande importance et il y a beaucoup de personnes qui participent aujourd'hui, ce qui nous réjouit. Tout d'abord, quelques éléments techniques. Abel Dolmetscher nous soutient aujourd'hui et fait donc l'interprétation. S'il vous plaît, allez maintenant en bas de votre écran et choisissez le petit globe. Et là, vous pouvez donc choisir la langue dans laquelle vous voulez suivre ce webinaire et dans la langue dans laquelle vous voulez participer. Et il est important que vous ne changiez pas de langue en cours de webinaire. En plus, on voudrait bien que cela soit interactif, c'est-à-dire à la fin des présentations, vous allez trouver une petite main en bas sur laquelle vous pouvez cliquer. Cela veut dire que vous levez la main, vous voudrez dire quelque chose. Afin de pouvoir le faire, on va ensuite ouvrir votre microphone et puis vous n'avez que appuyer sur OK et c'est à vous ensuite. Voilà, cette petite main, il faudrait la trouver pour pouvoir parler. Ensuite, puisqu'on souhaite d'avoir une certaine interactivité, on ne va pas avoir de chat, c'est seulement là pour nous signaler des problèmes techniques éventuels. Mesdames et messieurs, un tiers des émissions de gaz à effet de serre se font à travers notre alimentation. L'oxyde nitreux, le méthane, ce sont deux gaz climatiques qui sont 298 fois, voire 25 fois plus nocifs que le CO2 et c'est quelque chose qui est surtout lié au bétail. Notre alimentation est donc un problème qui booste le changement climatique. En même temps, notre agriculture souffre de ce changement climatique. Parfois, les années sont trop sèches, parfois c'est trop humide et c'est souvent mauvais. Moment. Les pestes et les parasites se répandent. Il y a parfois des maladies qui nous proviennent des tropiques et viennent en zone plus climatique modérée. Il y a bien sûr les forêts qui sont déforestées, surtout la forêt vierge, et à travers cela, il y a encore plus d'émissions de gaz de serre. Ce qui est peut-être moins recherché, mais qui est aussi important, c'est qu'à travers cela, il y a des maladies, notamment des maladies infectieuses, qui peuvent venir des animaux sauvages et affecter les animaux de ferme et les humains. Les zoonoses telles que Zika, Ebola et encore COVID-19 actuellement. Le programme de l'environnement de l'ONU l'a déjà constaté en 2016. Depuis le début du millénaire, nous avons 3 fois plus de zoonoses que par le passé. Sont surtout concernées les personnes les plus pauvres. SwissAid, qui est une organisation qui soutient le développement, et le Centre pour le développement et l'environnement de l'Université de Berne, comme instance de recherche, veulent soutenir ces personnes. Mais on doit aussi montrer combien ces problèmes sont systémiques et bien sûr, la solution, elle aussi, doit être systémique. La résilience des plus pauvres est bien sûr quelque chose qui se mesure à notre solidarité, mais cela aussi montre aussi si nous, en tant que société mondiale, nous sommes préparés aux problèmes qui se font d'actualité à travers le changement climatique. Je suis heureuse de pouvoir mener cette discussion et j'aimerais maintenant surtout souhaiter une cordiale bienvenue à M. Dubochet, Mme Gandhi et Mme Jacobi, qui vont justement parler du changement climatique, l'alimentation et parler d'une possible solution, l'agroécologie, qui est une façon de produire les aliments de façon durable. Je suis aussi très heureuse de dire que Mme Andrea Kutschera va être notre animatrice. Mme Kutschera est rédactrice de la NC7 du dimanche et elle est également experte en politique. En plus,
Elle a aussi étudié l'histoire économique et sociale et c'est donc bien la bonne personne pour nous accompagner à travers ce thème bien complexe. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne séance. Madame Kutschera, c'est à vous. Merci beaucoup aussi de mon côté. Bienvenue. C'est donc bien sûr un webinaire de toute actualité. Juste pour votre information, le tout est donc filmé, enregistré, afin que par la suite on puisse encore avoir accès à ces contenus. Madame Chiren nous l'a dit, l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui est bien sûr quelque chose qui booste le changement climatique. Et le changement climatique est le thème qui est important pour notre premier orateur. Jacques Dubochet était connu surtout au grand public en l'an 2017 quand il a reçu pour sa procédure de mise en lumière de biomolécules le prix Nobel. Puis, très peu après, M. Dubochet a eu son coming out comme militant pour le climat. Donc, le professeur émérite de 78 ans va donc d'une manifestation pour le climat à l'autre. Jacques Dubochet va nous dire à quel point cette crise du COVID-19 peut également être une opportunité afin qu'on puisse changer la donne pour l'agriculture et que c'est aussi quelque chose qui peut être bon pour nous. Monsieur Dubochet, c'est à vous. Merci. Je vois une impressionnante liste de panélistes. Je les vois certains devant moi. Je sais qu'il y a aussi une impressionnante, encore plus impressionnante liste de spectateurs. C'est magnifique. Je vous salue tous. Parmi nous, entre nous, nous sommes tous assez bien au courant que le monde va à sa perte. Nous créons une situation qui, si nous la laissons continuer, nous conduira à une situation invivable pour les sociétés humaines à la fin du siècle et déjà avant. Ouh, c'est pas bien. En fait, c'est pas seulement nous qui le savons. Chez nous, la grosse majorité de la population est au courant. Qu'ils y croient est une autre affaire. Mais il y a deux véhicules pour aller à la catastrophe, de chemin, disons. L'un, c'est l'échauffement climatique. L'autre, c'est la ruine de notre terre, de notre vie. Et l'échauffement climatique, finalement, il est plus facile à comprendre. Vous savez, d'abord, c'est une affaire de... la température monte, on le sait. La température monte et c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a de plus en plus de CO2 là-haut dans notre air. Et s'il y a de plus en plus de CO2, c'est parce que nous brûlons des combustibles fossiles que la nature a mis au fond de la Terre, avait mis au fond de la Terre pendant 200 ou 400 millions d'années. Et maintenant, nous les sortons en 100 ans. C'est ainsi que se fait ce déséquilibre et cette montée du CO2 de la température et de la combustion d'énergie fossile, mais d'où vient-elle? Pourquoi utilise-t-on de plus en plus de combustibles fossiles? Eh bien, parce que toute notre économie fonctionne à l'aide des combustibles fossiles et notre économie vit de croissance. Elle crèverait, paraît-il, si ne permettons pas cette croissance. Pas de chance. Cette croissance que notre économie demande et prétend exiger, elle nous fait tous crever. C'est pas bien. La solution pour le climat, tout le monde la connaît, il faut arrêter de brûler les combustibles fossiles. Et puis, au fait, ce serait très facile. L'autre problème, l'autre chemin, c'est la ruine de notre environnement, des conditions de vie dans notre milieu. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Regardez. Je voulais encore dire quelque chose. Voyez-vous, aujourd'hui, ici, il fait grand beau. Il y a une température très agréable et nous connaissons le problème du climat par la statistique des météorologues. Et la statistique, c'est vrai, ça ne nous touche pas tellement. Le deuxième chemin, le chemin de l'agriculture, lui, il n'est pas très concret pour nous parce que chez nous,
On cultive en masse dans des grands champs dans lesquels on verse des quantités invraisemblables d'entrants qui viennent de l'autre bout du monde ou de produits ou d'usines chimiques. Mais le reste du monde, les deux tiers du monde en tout cas, sont en train de lutter pour leur survie, pour avoir leur nourriture. Et eux, pour eux, l'échauffement climatique, pour eux, la ruine du milieu vivant de la Terre est la ruine de leur vie. Ah, il faut dire que cette deuxième partie, la partie agriculture, ben, ma femme la connaît bien, elle travaille beaucoup, elle s'est très engagée dans les éco-jardins, mais et je la vois combien elle travaille, et avec ça, je peux penser combien travaillent les gens du tiers-monde, les gens de l'Inde, chez qui, donc, dont vous nous rapportez l'effort et l'effort de suicide pour les aider. Mais c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas une bonne compréhension de ce qu'il se passe. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant d'être ici, et de pouvoir écouter la suite et d'apprendre beaucoup plus pour connaître mieux, comme tout le monde devrait connaître, ce qu'il se passe avec l'agriculture mondiale et comment la solution existe, ce qu'elle est et comment mettre en place cette agroécologie au niveau du monde. Agriculture, écologie, c'est notre avenir, au même titre que notre avenir est la décarbonation de notre énergie. Je vous remercie. Vielen Dank, Herr Dubochet. Das war... Merci beaucoup, Monsieur Dubochet. On a entendu que l'agriculture et l'écologie vont de pair. En fait, idéalement, on devrait dire, car ce n'est pas toujours le cas. Et maintenant, je propose que l'on écoute notre deuxième oratrice qui va nous expliquer un peu mieux ce qui est vraiment cette agroécologie et comment on peut mettre cela en œuvre. Je suis très heureuse de vous présenter Kavita Gandhi, une experte en la matière qui peut vraiment directement nous parler du terrain dans l'État fédéral d'Odisha. Elle a étudié la gestion des forêts et la science de l'environnement en Inde et aux États-Unis. Elle est aujourd'hui responsable de l'Inde pour Suicide. Depuis 25 ans, elle travaille avec des petits paysans pour améliorer leur base de vie. Odisha est connu pour la variété de riz, comme Madame Gandhi nous l'a dit dans une discussion antérieure. Il y a plus de 80 différentes sortes de riz localement. Mais comme les périodes de sécheresse augmentent à cause du changement climatique, cette variété est menacée. Madame Gandhi va nous montrer comment la base de vie de ces petits paysans souffre de cela et comment l'agroécologie peut proposer de nouvelles perspectives à ces paysans. Madame Gandhi, c'est à vous. Thank you, Andrea. Good evening, everyone. Merci. Bonsoir, tout le monde. Voilà. Ce que je vais dire aujourd'hui concerne le changement climatique et comment cela va affecter les moyens de subsistance. Et c'est donc basé sur le travail que nous faisons à Odisha. Et puis, Suicide a également demandé qu'on analyse les données météorologiques quotidiennes. Donc, on va commencer par regarder cette étude, et là, on s'est focalisé
sur la question comment le changement climatique affecte l'agriculture et la subsistance. Nous avons donc regardé différentes sources pour ces données, donc de l'unité de recherche sur le climat de East Anglia et puis également du département météorologique indien. Avant d'arriver à ces résultats, j'aimerais d'abord parler un peu plus de l'étude. On a donc choisi un village à Odisha. Vous le voyez ici. Vous voyez donc une carte de l'Inde. Là, c'est l'État fédéral d'Odisha et le village est ici, Jamud Bahal. C'est surtout une société qui fait de l'agriculture et surtout des petits paysans, des exploitants qui ont peut-être un hectare, jusqu'à 1,2 hectare. Et puis, bien sûr, l'agriculture est dépendante des monsoons, de moussons, pardon. C'est une région qui n'est pas très bien développée. Et puis, il y a quand même une assez grande biodiversité. En fait, il y a des gens qui disent que c'est très proche de la région où les rizières ont pris leur essor. Voici donc un système qui est basé sur les rizières et puis les paysans ont également parfois des cultures mixtes. Il y a eu quelques résultats assez intéressants par rapport au changement climatique. Et là, vous voyez la carte de ce district, Bargarh. Vous voyez ici le village et comme vous pouvez constater, il y a cette couleur jaune et la température augmente. Et c'est à peu près 0,87 degrés. Après, on voulait voir si cela se fait plutôt en été ou plutôt pendant la saison des cultures. C'est donc aussi la saison des moussons où il y a les pluies. Et là, on a ici cette ligne bleue qui montre les pluies. Et puis, deuxième saison, celle de l'hiver, en vert ici. Et nous avons trouvé que l'augmentation de la température se fait surtout par rapport à cette saison des récoltes. Et cela nous fait souci, car quand cette température va au-delà d'une certaine limite, en fait, la production des rizières va être affectée. Deuxième diapo sur les pluies, les précipitations. C'est donc dépendant beaucoup des moussons. Alors, s'il n'y a pas assez de pluie ou trop, eh bien, les récoltes ne sont pas bonnes. Ce que je voulais vous montrer ici sont deux choses. À gauche, vous avez donc les précipitations annuelles dans ce village de Jamud Bahal. Et on peut voir ici que c'est assez cyclique. Et en fait, il y a pas mal de pluie. Il y a beaucoup de variations d'un jour à l'autre parfois. Et beaucoup parmi vous disent peut-être... Bon, c'est cyclique, mais quand on rajoute cette ligne ici en bleu, qui sont les déviations standards, alors là, on voit qu'il y a quand même une imprévisibilité quant à ces précipitations. Deuxième point que j'aimerais vous montrer ici, ce sont les jours de sécheresse et de pluie. Donc, en brun, il y a donc les jours où il fait sec ont augmenté, c'est-à-dire là, il n'y a aucune pluie pendant cette journée-là. Alors, quand il y a une longue période entre deux chutes de pluie, cela va effectivement amener une certaine sécheresse et ces jours de sécheresse ont augmenté. Et cela affecte bien sûr les cultures à différents moments de leur développement. Maintenant, on peut donc dire que les températures ont augmenté, les jours
de très hautes températures ont également augmenté, donc il y a beaucoup de stress hydrique. Il y a donc une grande élasticité par rapport aux précipitations, 1000 mm jusqu'à 1200. Donc, imaginez pour le paysan combien il est difficile de savoir quelle culture utiliser dans des situations pareilles. Les moussons est souvent retardé de 15 jours, voire un mois, et cela va aussi affecter les récoltes. Donc, la fréquence des sécheresses, l'impact sur la qualité aussi des produits, c'est quelque chose que l'on peut constater. Avec cela, j'ai terminé la première partie qui concerne la météorologie. Maintenant, je vais parler des paysans et comment cela les affecte. Donc, tout d'abord, quand on parle aux femmes et hommes qui sont paysans, ils disent qu'il y a de plus en plus de pertes de récoltes ou des productions limitées, et cela affecte la production et leurs revenus. Ensuite, par exemple, certains changements sont tels que la saison pendant laquelle on peut donc planter et avoir des récoltes s'est rétrécie. Alors, il y a peut-être des cultures qu'on peut avoir en 100 jours, mais également les légumes. Là, la saison a rétréci, donc cela se termine déjà cette saison en février, alors qu'avant, c'était en mars, car sinon, les légumes vont tout simplement sécher. Alors, il y a besoin d'accélérer un tout petit peu pour qu'on puisse tenir le programme, malheureusement. Bon, ce qui se passe, c'est que la migration des paysans, donc les paysans qui font face à cela en migrant, va faire à ce que des familles entières vont bouger. Il n'y a plus personne dans la maison. Et puis, les jardins qu'on fait pour la cuisine, le petit bétail, tout cela n'est plus. Et donc, l'endettement des paysans a également augmenté. Et nous trouvons que dans ce scénario, ce sont les femmes qui souffrent le plus, car la charge de travail a augmenté, parce que les femmes s'occupent bien sûr aussi des personnes âgées et des enfants, mais elles sont également responsables d'amener de la nourriture sur la table. Et donc, il y a aussi une réduction par rapport au régime alimentaire. Il y a moins de diversité dans les fermes. Les légumes sont parfois endommagés dû à la sécheresse. Alors, il y a moins de diversité quant à la nourriture et donc nous, ce qu'on fait, on va justement soutenir l'agroécologie, on va créer des banques de semences, on va renforcer la diversité aussi dans les jardins de légumes, dans la variété des espèces, des semences. Différentes revenus ou six sources de revenus. Nous allons aussi soutenir les femmes, empowerment. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à Madame Gandhi. Vous l'avez entendu. La résilience, c'est vraiment ce qui est demandé. Certaines sortent ont moins de résistance, d'autres plus. Donc, l'agriculture doit être préparée à ce changement climatique. L'agroécologie veut dire qu'il y a plus de diversité et cela peut aussi signifier
que l'on puisse avoir la foresterie et l'agriculture ensemble. Et je suis heureuse de pouvoir saluer Madame Johannes Jacobi, une spécialiste du domaine. Madame Jacobi peut nous dire ce que la science a à dire par rapport à l'agroécologie. Madame Jacobi vient d'être nommée professeure assistante pour les transitions agroécologiques à l'ETH à Zurich. Nous vous félicitons. Madame Jacobi se demandait déjà en tant qu'enfant pourquoi la forêt tropicale était en train de disparaître. Plus tard, elle a surtout recherché l'agriculture, destruction de l'environnement. Dans ses recherches, elle a étudié la géographie et la biologie. Elle a également fait des recherches pour l'Université de Berne, des recherches en Bolivie autour de la production de cacao. Elle va nous dire plus ce que cela veut dire, ce terme d'agroécologie, tout en nous montrant qu'il s'agit là aussi d'un thème politique, pas seulement un thème scientifique, mais c'est un thème qui est aussi relié à notre société et à notre politique. Voilà, Madame Jacobi, c'est à vous. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Oui, sans problème. Vous voyez mon écran aussi? Vous pouvez me confirmer? Merci. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Ma contribution aujourd'hui concerne l'agroécologie par rapport au changement climatique et l'alimentation. Alors, l'agroécologie, c'est la science de l'agriculture durable. Il y a différentes façons de le voir, mais il y a souvent des points en commun. D'abord, c'est donc l'agronomie et l'écologie conjoints. Donc, il y a des principes écologiques qui entrent en ligne de compte. Ensuite, c'est une science, une pratique et également un mouvement social qui va engager ces changements. Donc, agroécologie, c'est vraiment un concept intégratif. Donc, les sciences naturelles, des systèmes économiques, sciences sociales et le savoir. Donc, l'agroécologie en tant que science est inter- et transdisciplinaire. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que l'agroécologie n'est pas, ce ne sont pas des recettes toutes faites ou des packages technologiques, non, ce n'est pas non plus la substitution d'apports, par exemple, changer un pesticide pour un biopesticide, ce n'est pas seulement la certification de certains modèles, ce n'est pas l'application non plus d'une pratique isolée. Par exemple, là, vous voyez des fleurs par rapport aux insectes et à côté, les cultures sont quand même pulvérisées avec des pesticides. Non, il s'agit d'un système plus diversifié. Donc, il ne faut pas penser beaucoup de substances chimiques qui sont basées sur les carburants fossiles. Maintenant, l'agroécologie, là, on peut aussi penser forêt. Donc, il peut y avoir des jardins, il peut y avoir des arbres ombragés, il peut y avoir des brises, vents, etc. Il peut y avoir différentes plantes, différentes espèces d'animaux. Et donc, dans un système agroforesterie, ça, c'est bien sûr plus complexe. Voici un exemple de la Bolivie. Donc, des arbres, des cacaoyers avec d'autres arbres bananiers, etc. Mais il y a aussi des arbres d'acajou, par exemple, qui sont comme un investissement à long terme. Dans mes études, j'ai donc comparé trois différentes façons de produire le cacao. Ici, vous voyez une monoculture de cacao.
Et ça, c'est bien sûr beaucoup répandu pour avoir beaucoup de récoltes. Ensuite, l'agroforesterie simple, qui est déjà plus diverse, qui est assez traditionnelle. Et ensuite, l'agroforesterie dynamique ou successionnelle. Et là, il y a donc les principes écologiques d'une forêt par rapport à la diversité, par rapport à la succession. Donc, il y a différentes plantes à différentes hauteurs. Il peut aussi y avoir même du poivre et autres qui peuvent pousser sur ces arbres. Et donc, le sol est toujours couvert, il est toujours humide. Voici quelques résultats. Vous voyez ici la résilience. Vous avez donc l'horizon AH, vous avez la diversité des arbres, des cultures, vous avez aussi les maladies, notamment la maladie du balai de sorcière. Et là, on voit donc avec la monoculture, beaucoup plus de maladies. Ensuite, on voit aussi que là, l'horizon AH, c'est-à-dire la partie du sol qui a plus de matière organique vivante, est très bonne en bleu. Et là, c'est plus lié au savoir-faire des paysans, etc. Donc, c'est eux qui doivent savoir appliquer tout cela. Voici quelques fruits que vous pouvez trouver en Bolivie et quelques bénéfices de ces systèmes diversifiés peuvent bien sûr améliorer les sols. Il y a moins de stress hydrique. Vous avez différents fruits, légumes. Vous avez aussi du bois de chauffage. Il y a aussi des plantes ornementales. Il y a des plantes médicales et il y a donc une grande diversité. Et du point de vue socio-économique, cela fait bien sûr une grande différence pour les gens quand ils peuvent travailler dans l'ombre. Et il y a aussi une résilience sociologique et une certaine sécurité par rapport à l'alimentation. Donc, les récoltes de cacao dans un tel système étaient 25 fois de moins, mais si on calcule tout, on y inclut les bananes et tout le reste, alors on a 10 fois plus de récoltes dans un tel système que dans les monocultures. Et il y a 2 à 3 fois plus de piégeage de CO2 dans un tel système, ce qui veut dire que ces systèmes d'agroforesterie sont bien placés pour faire concurrence au système habituel. Évidemment, il faut avoir les semences à disposition, il faut avoir l'équipement, il faut savoir créer tout cela. Et puis, parfois, les marchés sont seulement orientés vers une seule culture, mais la variété de cacao sont bien sûr possibles, même dans les monocultures. Alors, il y a encore un autre côté de l'agriculture. C'est aussi une lutte sociale et politique. Donc, cela est bien sûr lié. Donc, il s'agit aussi d'avoir une autonomie par rapport au territoire. Donc, quand on veut parler d'agroforesterie, il faut demander qui le fait. Les gens doivent pouvoir vivre de cela. Il y a besoin du sol pour pouvoir le faire d'un terrain. Et puis, cela veut dire que, effectivement, cela demande un changement qui va assez loin pour pouvoir avoir un système plus écologique, plus social. Donc là, il y a la biodiversité, l'alimentation saine, un travail qui fait du sens. Et quand on voit tout cela, ça devient très politique car il s'agit de bien distribuer les terres, il faut prendre soin des paysages, etc. Là, un cadre de transition agroécologique de Glisman, donc zéro. Il n'y a aucune intégration agroécologique niveau 1. On va réduire les produits industriels, pesticides, fertilisants, etc. Ensuite, niveau 2, on voit que les
pesticides et fertilisants sont remplacés par du bio et les pratiques sont alternatives. Mais là, les interventions top-down ont souvent cela comme objectif, mais cela n'est pas encore tout. Ensuite, troisième niveau, c'est là que le changement arrive vraiment, car on commence à redessiner les systèmes de production. Par exemple, on va avoir différentes cultures ensemble et cela se fait au niveau de la ferme. Ensuite, niveau 4, on va rétablir les connexions entre les producteurs et les consommateurs pour développer des réseaux d'alimentation alternatifs. Et puis, niveau 5, là, il y a encore une transformation bien plus profonde et plus large du système alimentaire. Cela concerne la politique, les institutions, et là, on parle de justice sociale, de la démocratie, afin que de construire un système alimentaire mondial qui puisse vraiment protéger la vie sur Terre. C'est donc une transformation au niveau du système alimentaire. Et un point important est de savoir que la faim n'est pas vraiment un problème de la quantité des aliments produits, car on pourrait déjà nourrir toute l'humanité aujourd'hui, mais c'est un problème de distribution, ou bien comme dit Frances Moore-Lapet, c'est un problème ou un manque de démocratie, car l'alimentation ne va pas là où elle est nécessaire. Non, c'est donc là où il y a le pouvoir, où il y a plus d'alimentation, plus de nourriture. Et puis, il y a aussi le manque pour les pauvres d'accès aux terres, aux semences, aux produits. Donc là, c'est comme cela que les systèmes dominants sont organisés. Il y a beaucoup de producteurs en haut et beaucoup de consommateurs en bas. Mais les autres acteurs, donc les transformateurs, les politiciens même, sont quelque peu acteurs entre les deux et ils ont, eux, le pouvoir à prendre des décisions. Donc, c'est eux qui décident comment on doit produire et quelles technologies on utilise. Donc, une façon de transcender cette situation est de directement dépasser ce milieu, c'est-à-dire mettre en lien les producteurs, les consommateurs. C'est donc quelque chose que l'on connaît aussi en Suisse. Donc, le pouvoir n'est plus concentré dans les mains de quelques acteurs. C'est donc une démocratisation des systèmes alimentaires. Et c'est seulement là qu'on peut donc effectivement voir comment, grâce à l'agroforesterie, on puisse aller à l'encontre du changement climatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ces trois orateurs, oratrices. C'était extrêmement intéressant. Encore une fois, une solution qui consiste à avoir une agriculture qui ne va pas augmenter encore le changement climatique. Et c'est donc là cette solution ou cette possibilité agroécologique. En Inde, Madame Gandhi nous l'a montré, cela se fait grâce à Suicide aussi. Et puis en Bolivie aussi, Madame Jacobi nous l'a dit. Et puis avec cette présentation de Madame Jacobi, nous sommes arrivés directement dans la discussion politique. On va voir par la suite si tout le monde est d'accord qu'il n'y a que des avantages à cette approche. Elle a bien sûr dit que c'était un problème du pouvoir. Il y en a qui profitent du système actuel et qui ne souhaitent pas qu'il y ait transition. C'est donc aussi un problème des marchés, de l'accessibilité en tant que consommateur. Comment est-ce que je peux savoir si un aliment est produit de façon agroécologique? Ce sont là des questions que l'on posera ensuite dans la discussion. Avant de faire cela, j'aimerais encore demander s'il y a une question de clarification par rapport aux trois présentations. Si cela est le cas, vous êtes bienvenue à poser votre question. Madame Tchiren a déjà expliqué comment cela peut fonctionner. Vous devez donc lever la main. Ensuite, je vous appelle. On va vous ouvrir votre microphone. Vous devez encore appuyer sur OK et ensuite, vous pouvez parler. Encore une fois, il n'y a pas de questions qui ne doivent pas être posées, les questions bêtes. Donc là, je vois
qu'il y a déjà des personnes qui lèvent la main. Genau. Wer möchte gerne eine Frage stellen? Qui aimerait poser la main? Pardon, poser une question? Tatjana Steiger. Tatjana Steiger. Hein? Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Une question pour Madame Jacobi. Est-ce que j'ai bien compris? Vous dites que l'agroécologie est également un concept qui va amener vers une distribution plus juste des terres. Est-ce que ce concept d'agroécologie peut vraiment aider à mieux distribuer les terres de façon plus juste? Merci pour cette question. Évidemment, c'est très complexe. Moi, je le dirais de l'autre côté, dans l'autre sens. Pour que l'écologie puisse venir, il faut voir comment les terres sont distribuées. 1,2 milliards qui ont 20% de terres qui produisent 50 à 60% d'aliments. Donc, il faut voir qu'est-ce qui se passait si ces petits paysans auraient 60, 70% des terres. Oui, bien sûr, ça serait une discussion intéressante. Je vois quelqu'un d'autre qui aimerait poser une question. Ulysse Le Golf. Oui, bonjour. Je voudrais remercier les participants pour les présentations. Je voudrais rajouter, moi je travaille avec le PFZ de Zurich sur des projets, sur un projet en Suisse autour de l'agroécologie et plus particulièrement l'agroforesterie. Et puis je voudrais ajouter que c'est quand même aussi tout ce qui a été dit sur l'agroforesterie pour les pays du Sud, c'est aussi évidemment valable en Europe, même si c'est des conditions très différentes. Ça permet effectivement d'améliorer la résilience de l'agroforesterie et on rencontre les mêmes les obstacles très similaires à ce qui a été évoqué. C'est-à-dire que c'est pour le moment des cas assez atypiques de fermes qui vont se lancer en agroforesterie. C'est des gens qui réfléchissent de manière systémique à la ferme, qui essayent d'avoir une cohérence. Et c'est très généralement des fermes qui font de la vente directe, parce que le marché, il y a aussi les mêmes problèmes de marché qui est très verrouillé par la distribution et une concurrence très forte entre les producteurs quand ils ne trouvent pas des débouchés autres. Donc en fait, si on veut favoriser encore plus ce genre de démarche vers l'agroécologie aussi en Europe, il faut permettre trouver des solutions face à cette concurrence extrême entre les producteurs et donc reconnecter aussi avec les consommateurs. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui en sont conscients et qui cherchent des moyens d'atteindre la vente directe ou des choses comme ça, mais c'est aussi assez compliqué. Il y a des problèmes aussi de formation des agriculteurs qui doivent repenser, enfin travailler différemment de ce qu'ils ont appris à faire jusqu'ici. Et ça, c'est des choses qui mettent aussi beaucoup de temps à évoluer. Pour discuter après dans une deuxième partie. Vielen Dank. Merci beaucoup. Ce n'était pas vraiment une question, mais plutôt une contribution à la discussion. On reviendrait volontiers là-dessus. Maintenant, encore des questions de clarification quant aux présentations. Est-ce qu'il y a quelque chose? Laurent von Wheeler? Oui, merci beaucoup. Ce n'était pas non plus une question, mais plutôt une remarque par rapport à la remarque qui vient d'être faite. Je trouve ça très intéressant que l'on
ne pensent pas que Inde ou Bolivie par rapport à l'agroécologie, mais c'est également un thème qui concerne la Suisse. Mais je peux aussi revenir là-dessus plus tard. Merci beaucoup. Je propose que s'il n'y a pas de questions urgentes quant aux présentations, on va maintenant avoir un petit quiz. Ensuite, lancer la discussion sur la base de quelques thèses. Mais d'abord, un petit quiz où vous pouvez tester vos connaissances, ce que vous avez entendu, ce que vous avez retenu. C'est donc quelque chose qui va apparaître sur votre écran. Vous pouvez donner une, voire plusieurs réponses. Et puis à la fin de notre webinaire, on va bien sûr vous donner les résultats. Voilà, je vois cela maintenant sur mon écran. Je vais aussi cocher mes cases et puis ensuite, on va entamer la discussion. So, ich denke, wir sind nun alle ready. Je pense que nous sommes prêts pour la discussion. À la fin, on regardera encore une fois les résultats du quiz. Encore maintenant, donc, il y a cette discussion qui va commencer avec Iris Le Groff. Nous avons un début de discussion, donc des changements des conditions concurrentielles, en direct, etc. Maintenant, j'aimerais vous présenter 3-4 thèmes. Vous connaissez cela, donc vous levez la main et on vous entendra. Donc d'abord, une première hypothèse. Madame Jacobi l'a mentionné, elle a dit qu'en fait, il y a quasiment que des avantages, car les systèmes agroécologiques sont plus résistants au changement climatique. C'est le grand avantage. Et donc, d'ici 2050, l'agriculture conventionnelle fera partie du passé. Qui pense que cela est possible? Qui pense que cela est exagéré? Ce n'est pas une bonne perspective. Enfin, qui voudrait se prononcer? Manuel Flurivalen, c'est à vous. Manuel Flurivalen, oui. Merci.
Merci pour ces contributions. Ce n'est pas la question si on trouve cela bien ou pas. Non, on doit y être en 2050. J'aimerais donc souligner encore un autre aspect. Je suis d'accord avec Johanna Jacobi, les terres, la distribution du sol, c'est quelque chose de central. Avec Madame Gandhi, il y avait aussi la question des semences. Elle a mentionné qu'à Odisha, là où elle travaille, il y a 80 différentes sortes de riz localement, et on sait bien sûr qu'au niveau international, il y a une grande concentration de la production des semences, et on sait aussi que les semences qui sont vraiment différenciées, adaptées aux conditions climatiques locales, ont un grand potentiel pour, dans l'avenir. Mais cela est toujours plus évincé au bénéfice d'autres semences. Donc, je pense qu'il est important de voir combien les semences locales sont importantes, les banques de semences aussi. Je crois qu'à part les terres, la distribution des terres, c'est important. Donc, les terres doivent être données aux paysans et les semences locales doivent être soutenues aussi au niveau international, doivent être disponibles afin qu'en 2050, l'agriculture conventionnelle fera partie du passé. Ce n'est pas une question qu'on aime cela, non, c'est quelque chose qu'on doit faire. Merci beaucoup. Juste une question. C'est ça qui devrait se passer. Et vous, personnellement, vous pensez qu'en 2050, on n'aura que l'agroécologie ici, sur cette terre? J'y crois. Mais vous comprenez, j'ai 66 ans, c'est peut-être plus facile à y croire. Et je vois aussi des activités essentielles qui se font au niveau national et international. Et je pense que c'est effectivement possible. Nous avons encore cette possibilité-là. Merci. On parlera encore de ces initiatives. Angelika Hilbeck. Oui. Justement, j'aimerais rajouter à ce qui vient d'être dit. Je le vois un peu différemment. Je ne pense pas que d'ici 2050, on puisse attendre. Car là, on a presque 30 ans encore qui seront des années où on aura encore beaucoup de pesticides, d'insecticides, mais nos abeilles, nos insectes ne peuvent pas attendre aussi longtemps. C'est-à-dire, il faut vraiment prendre ce virage bien plus tôt. Il faut surtout éviter les substances chimiques synthétiques qui, bien sûr, font partie du problème. Et si on attendait encore 30 ans, cela serait une catastrophe pour nos insectes pollinisateurs. Donc, il faut certainement commencer plus tôt, plus fort, surtout dans les pays du Nord, car c'est ici surtout que la biodiversité est en train de collapser. Oui, les problèmes de la biodiversité qui se réduit comme peau de chagrin, oui, c'est quelque chose que l'on voit aussi en Suisse, oui, plus que le changement climatique. Voilà. Mila, vous voulez parler? Merci. Merci pour ces impulsions. Restons avec cette discussion. Je pense que l'agriculture conventionnelle, ça dépend de la définition que l'on utilise. Et je crois qu'il est important. Et là, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que tout cela est très urgent et je crois qu'il faut aussi s'y atteler au niveau de la formation. Je connais un peu la situation en Suisse et je pense que la formation, l'éducation n'est pas orientée dans le sens de changer beaucoup de choses dans les années à venir. Et aussi, la recherche doit aller dans ce sens. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des contribution encore par rapport à l'éducation, la formation? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'avec les enfants, il faut faire des jardins collectifs plutôt que de faire des mathématiques?
pour que les enfants comprennent les connexions, les liens. Alors, éducation, recherche, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait en parler? Je vois beaucoup de mains levées. Ulysse Le Goff. Oui, merci. Quand j'évoquais formation au début, je pensais vraiment aux agriculteurs, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau de l'éducation alimentaire. Et puis là-dessus, je crois qu'il y a une initiative de Slow Food Suisse, par exemple, qui aimerait proposer ça dans la Constitution et d'intégrer une éducation à l'alimentation. Et je pense que c'est quelque chose qui serait, c'est le genre d'initiatives qui sont intéressantes. Parce que c'est des questions très complexes. Et puis, du coup, s'informer devient très compliqué quand on est complètement novice et qu'on n'a jamais abordé ces questions-là au cours de ses études. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire là-dessus. Mais au niveau des agriculteurs aussi, il y a quelque chose. La formation a changé aussi, a amélioré dans ce sens-là, quoi. Merci. Merci beaucoup. Madame Jacobi, vous voulez également dire un mot? Oui, j'aimerais en fait un peu résumer des commentaires qui vont dans le même sens par rapport à l'éducation. J'aimerais aussi parler des mouvements par rapport à l'alimentation. Évidemment, il faut le voir de façon large. Nous avons de grands problèmes en Suisse par rapport à la pollution, limitation des habitats, etc. Mais pour changer ces tendances, je crois qu'effectivement, l'éducation est importante. Il faut atteindre la société, la santé des personnes, la santé des systèmes alimentaires, de l'agriculture. Tout cela va de pair. Et il faudrait avoir peut-être un conseil par rapport à la politique alimentaire. Et là, les citoyens, citoyennes devraient pouvoir participer ensemble, créer des solutions. Et bien sûr, la population qui paye des taxes pourrait également intervenir, également au niveau international. Donc, la Suisse pourrait demander que tous les investissements, même dans le secteur privé, devraient aller dans le sens de la biodiversité. Là, ça aura un grand impact et je crois que, par exemple, le chocolat, quand on pense d'où provient le cacao, mais bon, il faut prendre ces systèmes ensemble. Merci beaucoup. On a entendu pas mal de choses, notamment que l'éducation doit s'améliorer, l'éducation des paysans, des consommateurs. Et puis, Madame Jacobi parle du fait que les subventions, les financements directs ne devraient qu'être octroyés quand il y a effectivement une agriculture respectueuse de l'environnement. Mais l'autre, il y a déjà une initiative dans ce sens, mais il y a une deuxième dont j'aimerais parler. Donc, on a entendu dire que les incitations ne sont peut-être pas suffisantes pour que bientôt il y aurait quasiment que de l'agroécologie. Il existe néanmoins l'initiative ou le référendum sur l'interdiction des pesticides dans l'agriculture. C'est probablement en juin qu'on va voter là-dessus. Donc, interdiction des pesticides, également des produits de l'étranger qui ont été produits par les pesticides, avec des pesticides. Est-ce que c'est une bonne incitation pour l'agroécologie? Quelle est votre opinion? Madame Julia Czersik. Oui, merci beaucoup. Je suis Julia, je travaille dans un projet sur les semences et
En ce qui concerne ces questions, je dirais c'est une première étape importante, mais il faut voir plus large, car pour l'instant, il y a des réglementations qui font qu'il est difficile d'avoir une plus grande diversité, qui est bien sûr un aspect important des systèmes écologiques. Donc, la législation prévoit seulement des variétés très homogènes qui doivent parvenir au marché. Et puis, il y a aussi des droits par rapport à la propriété intellectuelle. Donc, il est parfois difficile de partager les semences. Donc, il faudrait penser des banques de semences collectives, etc. Mais si on veut avoir une grande transformation, alors là, il faut aussi voir les institutions et voir comment on peut les changer. Merci beaucoup. Ce qui m'intéresserait, en fait, Madame Tchersich ou les autres partenaires à la discussion, cette interdiction des pesticides, si cela est accepté en Suisse, est-ce que c'est une voie possible pour que l'agroécologie puisse vraiment se développer mieux? Là, j'aimerais encore avoir quelques réponses aux questions. J'ai oublié. Madame Tchersich s'est donc présentée, elle a dit son nom, sa fonction, et si possible, j'aimerais que les autres le fassent aussi pour qu'on sache d'où proviennent les participants. C'est toujours très intéressant. Laurent von Wieler, encore une fois, c'est à vous. Herr von Wieler, oder Monsieur von Wieler, est-ce que j'ai mal compris? Il y a encore votre main levée. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Voilà. Laurent von Wieler, je suis membre de l'organisation unitaire et je me penche sur l'agroécologie dans ce contexte. J'aimerais dire que, effectivement, l'agroécologie, si on veut soutenir cela en Suisse ou dans le monde, c'est bien plus que cette question des pesticides. C'est beaucoup plus large que cela. Mais je pense personnellement que ces deux initiatives peuvent être un moyen utile. Et c'est en lien avec ce qui a été dit. Donc, l'initiative sur l'eau propre, là, la Confédération peut intervenir par des financements directs. Là, on parle aussi de la recherche, de l'éducation, des conseils. Et je pense que ce sont là des éléments très importants, car si on veut un changement assez radical qui est nécessaire, car on ne peut pas attendre d'ici 2050, alors il faut accompagner beaucoup de groupes. Déjà les paysans, je crois qu'il y a environ 10% de paysans biologiques en Suisse, donc 90% qui sont encore dans l'agriculture conventionnelle, et ces derniers ne vont pas y arriver tout seuls. Il y a besoin de recherche. Il faut aussi remplacer les pesticides synthétiques par d'autres moyens qui sont parfois très différents. Il y a besoin de recherche, d'accompagnement, et je pense que les consommateurs doivent aussi comprendre cela. Je pense qu'effectivement, c'est toute une série de mesures qui sera nécessaire, mais les initiatives, de mon point de vue, sont peut-être un premier moyen pour pousser ce développement. Et quand on voit ce qui s'est passé par rapport à l'accord de libre-échange par rapport à l'huile de palme, là, on peut être assez optimiste, mais je crois qu'il y aura aussi beaucoup d'opposition par rapport à ce changement. Madame Jacobi a également parlé d'opposition tout à l'heure. Je vois différentes mains levées. Christina Blank. Können Sie mich hören? Vous m'entendez?
Très bien. Christina Blanc, je travaille à la DDC. J'ai encore un autre élément que j'aimerais proposer. C'est aussi une proposition pour la recherche. Un élément qui fait obstacle à cette transition est qu'il n'y a pas de accounting, c'est-à-dire les effets négatifs de l'agriculture actuelle en Suisse sont donc pris en charge de façon indirecte et ce n'est pas quelque chose qui se reflète dans le prix des aliments. Donc, la production agroécologique, là, les produits, les aliments sont parfois plus chers, même s'il y a beaucoup d'externalités positives pour la société. Et dans ce contexte, je trouve que cette idée de accounting est quelque chose d'important. Et comme Madame Jacobi l'a dit, il s'agit aussi d'un déséquilibre du pouvoir. Ce sont des acteurs qui ne veulent pas lâcher le morceau, qui ne veulent pas perdre. Non, si on pouvait mieux rémunérer ces externalités négatives, mieux prendre en compte, pardon, ces externalités, alors cela aidera certainement à mieux lancer cette transition vers d'autres systèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui aimerait rebondir par rapport aux externalités? Ou bien cette question de l'initiative des pesticides. Pamela Statakis. Pamela Statakis. Oui, bonjour. En fait, j'avais une autre question, pas par rapport à ce thème-là. C'est OK. Question. On entend souvent le contre-argument qui dit que l'agroécologie ne peut pas nourrir toute la population au monde. Et Madame Jacobi l'a dit, ce n'est pas un problème qu'il n'y a pas assez d'aliments, de nourriture, mais qu'en fait, ce n'est pas assez bien distribué. L'agroécologie demande plus de travail et les terres sont plus réduites, les champs. Alors, j'aimerais savoir ce que vous dites par rapport à un tel argument. Oui, Madame Jacobi. Oui, merci pour cette question. Je pense que l'évidence est très claire que, en fait, il y a vraiment un déséquilibre du pouvoir. Quand on regarde l'efficacité, on doit utiliser d'autres mesures. On ne doit pas juste regarder les récoltes par hectare, non, il faut aussi voir l'efficience par rapport à l'énergie, combien d'énergie est utilisée, combien de calories par rapport à cet aliment. On a trouvé dans une recherche en Kenya, pour une calorie produite dans l'agriculture conventionnelle, et on utilisait 39 calories et ce n'est pas efficace. Et donc, si vous regardez les évidences scientifiques, là, on ne peut pas soutenir cette idée comme quoi l'agriculture ne peut pas nourrir le monde. Mais c'est déjà le cas parce que les personnes qui ont faim augmentent, le système est cassé et je crois qu'il y a vraiment des alternatives qui pourraient le faire beaucoup mieux. Je ne veux pas aller plus dans les détails maintenant, mais ce sont les données scientifiques qui le prouvent. Merci. Merci. Je propose qu'on regarde la troisième thèse ou hypothèse. On l'a entendu déjà, c'est aussi une question du marché, ce qui est proposé sur les marchés. Donc, les
les aliments produits par l'agroécologie, si cela est marqué en tant que tel, cela coûte souvent plus cher. Mais il y a déjà un problème en amont, c'est que les consommateurs, consommatrices qui voudraient soutenir l'agroécologie, qui voudraient acheter de tels produits, ne peuvent pas le faire car l'information manque, tout simplement. On ne peut pas voir ce qui a été produit de cette façon ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'on ne peut pas, d'un point de vue des consommateurs, savoir comment les produits, les aliments sont produits et comment on peut soutenir l'agroécologie. Urs Brändli? Vous m'entendez? Urs Brändli? Je suis président de BioSuisse et pendant 30 ans, j'ai eu une ferme biologique. Le défi sera certainement de savoir comment augmenter la confiance des consommateurs. Et quand je pense au fait que le bio est bien établi en Suisse avec une part de marché de 10%, et depuis 40 ans, BioSuisse informe sur ce que c'est le bio. Et quand vous posez la question aux gens dans la rue, alors quand vous demandez ce que c'est au juste, 50% voire plus des gens ne savent pas vraiment répondre et beaucoup de personnes ne croient pas que c'est vrai. Il y a que c'est erroné, il y a du marketing derrière. Je trouve que là, c'est un grand défi, évidemment. Je salue l'initiative pour l'agroécologie, mais en même temps, c'est un sacré défi. Comment va-t-on montrer aux gens à l'avenir, augmenter leur confiance comme quoi c'est des produits qui valent la peine? Pour moi, à part les true costs, les coûts effectifs qui montre qu'en fait, les aliments bon marché ne sont pas si bon marché pour la société en fin de compte, mais en fait plus chers. Mais c'est quand même la clé ici pour amener un changement et cela passe par un changement des comportements des consommateurs. Si les consommateurs et consommatrices, lors de tout achat, chaque fois qu'on prend un aliment, on commande quelque chose car on va restocker les linéaires. Alors là, il faut vraiment tout faire pour montrer à la population qu'on peut faire confiance par rapport au label, qu'ils sachent quel produit on peut acheter, quelle est l'empreinte de ce produit. Car ce produit que je prends au magasin va être restocké par la suite. Mila? Et Monsieur Brändli, puisque le président de BioSuisse est parmi nous, est-ce que vous diriez, quand on achète bio, on achète des produits agroécologiques? Évidemment, j'ai un peu étudié l'agroécologie, peut-être il y a un an et demi, j'étais présent lors du premier atelier de SwissAid autour de cette question. C'est très intéressant et quand on regarde cela de plus près, on voit que l'agroécologie comprend beaucoup de bio, mais ça va plus loin. Je dirais que si on regarde ce bourgeon du bio, eh bien, le bourgeon va aussi au-delà du bio dans le sens traditionnel. Donc, c'est assez comparable. Et je reconnais ou je sais que dans pas mal de régions du monde, les produits biologiques
le bio n'a pas une si bonne presse. Il y a eu ce phénomène-là aussi en Suisse il y a 20 ans, mais maintenant bio en tant que nom, en tant que système de production est établi en Suisse, alors que dans d'autres régions du monde, cela semble poser problème. Et si le terme d'agroécologie est un meilleur terme et que les paysans, tout comme la société, peuvent mieux vivre avec ce terme, c'est bon pour moi aussi, car on veut surtout soutenir ce comportement durable par rapport à la consommation. True costs, les coûts réels. Cela ne s'applique pas seulement aux aliments, cela est vrai pour tous les biens de consommation. Quand je pense à l'Inde et à nos vêtements, comment le coton est produit, eh bien là, il y a de grandes différences, ou bien notre mobilité, etc., etc. Donc, les coûts réels, si on les montrait vraiment au niveau des produits, cela va vraiment engendrer un changement de comportement consommateur. C'était une pub pour le bio. Bon, et puis là, Mila. Hören Sie mich jetzt? Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, Mila Lager, j'ai étudié la géographie à l'Université de Berne et puis dans le cadre de ma thèse de master, j'ai surtout étudié la permaculture dans l'agriculture suisse. C'est encore là que je me trouve, près du Inforama à Berne. Je fais un stage et je me penche encore sur la permaculture qui, jusque à nouvel avis, c'est quelque chose qui est similaire à l'agroécologie. Et puis, en ce qui concerne les consommateurs et consommatrices, là, j'ai fait l'expérience par rapport aux fermes que je connais en Suisse, que quand il y a la diversification dans les fermes, il y a souvent un grand lien avec les consommateurs. Johanna Jacobi l'a montré, en fait, le chemin direct du producteur au consommateur, c'est quelque chose qui se fait. Et donc là, on arrive à des prix plus réels. Et ce que je peux voir aussi, que souvent ce sont des stagiaires qui travaillent dans ce secteur et qui demandent pas de salaire, donc le coût de production peut diminuer. Le bio est certainement une bonne alternative et je pense que le mouvement bio va dans le sens de l'agroécologie et on continue donc dans le même sens. Puisque bio, ce bourgeon est très clairement labellisé, et on a un peu plus de marge aujourd'hui pour continuer à nous développer. Et encore, en ce qui concerne la dernière déclaration, si la population accepte cette interdiction des pesticides, alors il sera important d'accompagner les paysans sur ce chemin. Je propose des cours autour de la permaculture dans l'agriculture. Il y a différents paysans qui, depuis 20-30 ans, travaillent dans leur ferme, cherchent des solutions. Et donc là, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui les aident pour les épauler, pour qu'ils puissent changer de la situation actuelle vers autre chose, car ils ont besoin de savoir-faire. Voilà, merci. On arrive tranquillement vers la fin de notre discussion. J'aimerais encore entendre Madame Gandhi, entendre ce qu'elle pense. Ensuite, Monsieur Dubochet a également montré son intérêt à prendre la parole. Oui. Madame Jacobi trouve que
on ne devait pas mettre un label sur le bio, mais plutôt sur tout ce qui n'est pas bio, tout ce qui est dangereux, tout ce qui a été traité par des pesticides en tant qu'alerte, en quelque sorte. Ça, c'est une impulsion intéressante aussi. Mais Madame Gandhi, donc la vente directe, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose d'utile pour les paysans à Omisha? Ensuite, Monsieur Dubochet et ensuite Madame Jacobi, avant de donner la parole à Madame Chiren. Madame Gandhi. J'aimerais dire, et là je me réfère à ce que M. Dubochet a dit, quand on pense aux petits paysans au sud, on pense à des personnes qui ont de la peine à mettre de la nourriture sur la table. Et je pense que d'un côté, nous aider, aidons les paysans à évoluer, mais une transition qui va plus loin demande effectivement que l'écosystème change pour les faciliter plus loin. Donc, je pense que les paysans devraient vraiment avoir un système d'agroécologie, mais ils ont besoin de marché, ils ont besoin de soutien dans ce processus de transition, ils ont besoin d'une sorte de filet de sécurité. Deuxièmement, nous avons besoin d'un système de recherche qui travaille sur les semences, nous avons aussi besoin de recherche sur des semences qui demandent moins longtemps pour arriver à fruition. Ensuite, réduire la charge de travail des femmes, comment peut-on faire? On doit aussi caractériser la production de semences pour qu'on sache ce qui est bien ou pas. Du point de vue marketing, il faut soutenir les consommateurs, évidemment dans les villes, mais également dans d'autres lieux, des villes plus petites. Là, les consommateurs doivent être plus conscients autour de l'alimentation, nutrition, les bénéfices nutritionnels par rapport à certains types de riz, de millet. Donc, nous avons besoin de soutenir les paysans. Et puis, quand on parle de marketing direct, on a des paysans dans les campagnes, ensuite il y a les consommateurs en ville. Alors, comment peut-on effectivement créer une vente directe pour une petite ville? Il faut vraiment comprendre comment procéder. Du point de vue de marché, il faudrait vraiment honorer, il faudrait avoir un surplus pour les paysans qui travaillent correctement. On ne comprend pas combien difficile c'est de produire dans l'agriculture et je crois que nous devons comprendre ce que c'est l'agriculture. Il faudrait avoir un meilleur lien aussi avec la nature, tout simplement. Et évidemment, il y a les coûts quand on regarde cela de plus près. Donc, un écosystème doit vraiment voir le jour pour soutenir toute cette transition. Et si on attend jusqu'à 2050, de nombreux petits paysans ne seront plus là, auront rejoint la ville, auraient migré dans d'autres pays. Donc, effectivement, c'est très urgent que l'on puisse agir maintenant. Merci. Merci. On a entendu beaucoup de choses, on ne peut pas entendre. Et les paysans ont besoin de soutien. Il faut les convaincre de miser sur l'agroécologie. Jacques Dubochet, s'il vous plaît.
Oui. C'est à vous. Oui, merci. Est-ce que le panéliste a le droit de venir aussi poser des questions? Ben oui, parce que probablement parmi toute l'audience qui est là, il est un des plus incompétents. Mais il y a un point qui m'interpelle. Vous voyez, avec le climat, nous avons une sorte de narratif très fort. Il faut être hors du carbone fossile très vite. Alors, nous avons une initiative pour du glacier pour sortir en 2050, et puis nous avons la loi sur le CO2 qui dit à peu près la même chose. Et vous verrez, on ira encore plus vite que ça parce qu'il le faut. Et dans le fond, c'est ce que je disais tout au début, l'argument est tout simple. Sortez du carbone, arrêtez avec ça et on s'en sort. Pour le problème de l'agroécologie, quel est le message qu'il faut donner, le message choc qui fera que des millions de Suisses, pas 10% fassent du bio, mais 90% se lancent dans le bio très vite. Comment faire? Voilà, c'était ma question. Das war, nehme ich an, eine Frage. Ich würde sagen, c'était une question. Je dirais qu'on va la poser à Madame Jacobi et puis ensuite je rends la parole à Madame Girard. Comment fait-on qu'on ne reste pas avec les 10% seulement par rapport à l'agriculture bio? Thanks. I would really advocate. Merci. Ce que je dirais par rapport à cette transition, si on veut vraiment transformer les systèmes alimentaires mondiaux, je dirais que les labels bio sont une partie de cette transition, mais on ne doit pas s'arrêter là. On ne peut pas rester là, car il y a des millions de paysans dans le monde qui font déjà du bio, mais qui ne peuvent pas se payer ces certifications. Même en Suisse, c'est parfois le cas. Alors, je trouve que ce n'est injuste de faire en sorte à ce que les gens qui font quelque chose de bien doivent encore payer pour le montrer au marché. Donc là, il faut faire attention. Je renverserai la chose. Mettre sur l'aliment, attention, là, il y a des pesticides, il y a du travail des enfants, etc. Donc, il ne faut pas rester à un certain niveau. Et puis, la responsabilité uniquement la donner aux consommateurs n'est pas suffisant. Je pense que nous, on paye bien sûr à la caisse, on paye aussi les subsides, on paye aussi la destruction et on paye les coûts de santé. Donc, ce n'est pas juste. Et là, il faut penser plus large. Il faut approcher cela d'un point de vue du paysage. Et le secteur public est aussi un client important. Donc, les cantines dans les universités, dans les hôpitaux, etc., pourraient aussi prendre des aliments locaux et produits de façon biologique. Donc, il faut penser large. Merci beaucoup. Je suis bien impressionnée de la qualité de cette discussion. J'ai surtout compris que la première thèse, que l'on ait un changement d'ici 2050 seulement de l'agroécologie, je trouvais que c'était assez effronté presque, alors que tout le monde ici semble penser que c'est plutôt conservateur, que vous pensez plutôt que d'ici là, il faut y être de toute façon. Alors là, je pense, je suis peut-être comme les initiateurs de l'initiative des glaciers qui demandaient une neutralité CO2 à l'époque et maintenant, c'est même le Conseil fédéral qui l'exige. Donc, avec cela, je donne la parole à Sonia Tschirren et je remercie tout le monde pour cette discussion animée. Oui, merci Andrea Kuchera à vous. C'était une discussion vraiment très réussie et vous avez bien animé tout cela. Je pense que nous avons évoqué beaucoup de points, même brièvement, et on a beaucoup de propositions qui ont vu le jour. Comment on peut changer nos systèmes d'alimentation pour arrêter ou limiter le changement climatique, et ceci au niveau des pays du Nord, mais également dans le Sud. Avec cela, j'aimerais vous remercier
Je vais rapidement vous montrer les résultats de notre sondage, ou que ce que cela montre, c'est que notre compréhension est assez divisée par rapport à ce qu'il faudrait faire, ce que est l'agroécologie et ce qu'elle peut faire. Donc, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, là, il y a toute une palette de réponses, mais c'est aussi le cas dans les recherches. On dit que c'est à peu près 30%, parfois plus. Deuxième question, là, je crois que c'est assez clair. D'un côté, quels sont les effets du changement climatique dans ce domaine, et puis aussi ce que ça veut dire par rapport aux actions qui sont nécessaires afin de ne plus avoir autant de zoonoses à l'avenir, moins qu'à l'heure actuelle en tous les cas. Danke Ihnen deswegen jetzt, dass Sie voilà, avec cela. J'aimerais vous remercier d'avoir participé activement. Merci aux participants et participantes de webinaire. J'aimerais aussi remercier de tout cœur M. Dubochet, Mme Gandhi et Mme Jacobi pour le fait que vous ayez rendu possible cette discussion avec toute une richesse de solutions possibles. Un dernier point encore. Après le webinaire et avant le webinaire, donc SwissAid propose toute une série de webinaires. On aura un autre bientôt sur le thème de la biodiversité et l'alimentation, avril-mai, on verra. Et on serait content de vous retrouver à ce moment. Une fois que vous sortez du webinaire, il y aura un sondage et cela serait utile pour nous. On serait reconnaissant si vous pouviez encore répondre à ces quelques questions une fois que vous sortez du webinaire. Avec cela, j'aimerais vous remercier de tout cœur d'avoir participé. Merci pour votre patience, car la discussion a duré un peu plus longtemps que prévu. Je pense qu'on pourrait y passer des jours et des nuits. Alors, dans ce sens-là, 10 minutes, ce n'est peut-être pas trop. Alors, merci pour vos impulsions. Merci d'avoir participé. J'espère que vous resterez avec nous. Restez en bonne santé. On vous voit la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci de la part de tout le monde chez SwissAid.